4h30 du matin, je me suis endormie, donc j'ai pas donné le complément de foin à un des groupes de chèvres. C'est pas grave parce que d'habitude j'en donne plus aux adultes en cette saison. Mais là, notre livreur de foin nous avait ce printemps apporté le double de ce que nous avions commandé. Au lieu de 10 tonnes de compléments, il nous en a apporté presque 20. Ce qui fait que c'est pas le même budget du tout. Ça a été une période difficile à cause de ça. Donc il nous reste encore du foin en grange, alors qu'on ne devrait presque plus en avoir, de façon à laisser la place au foin qu'on est en train de rentrer et récolter ici. Vous avez faim? Allez, vous essayez si je tiens pas maman, comment ça se passe? Non, maman, il faut la tenir encore. Des couilles, oui, oui, allez, hop là, là. Tu bouges pas. Non. Tu as pas le droit de bouger pendant 2 minutes, ma puce. Tu bouges pas. Non. Ah là là, les yeux qui sont devant là. Allez. Allez, comme des grands. Non, tu tapes pas. C'est comme ça, tu ne bouges pas. Bon, il n'est pas 6h du matin, il fait déjà presque jour, ça fait plaisir. Et par contre, notre lavande s'est encore fait mal. C'est un chat noir cette chienne. Après un problème à l'œil qu'on ne peut pas vraiment résoudre, double fracture du jarret cet hiver, donc ça a été très difficile et onéreux de la soigner. Son articulation est bloquée. Maintenant, elle s'est bien ouverte la patte avant. Donc, direction veto, parce que c'est le week-end que c'est arrivé, donc on va appeler le vétérinaire et voir s'il peut recoudre tout ça. Ça te rappelle quelque chose, ma poule, hein? Batterie en panne, a priori, au démarreur. Une petite famille aux yeux bleus. Là, je suis vraiment contente. La maman est noirouan, donc bleu aux yeux bleus. La petite, la chevrette qu'elle est en train de lécher, elle est pimentelée postérieure aux yeux bleus. Donc petite rareté, c'est notre deuxième naissance comme ça. Et le petit mâle, il est bleu, noir rouen, aux yeux bleus. Mais quel vadrouilleur, j'arrête pas de le ramener à sa maman.
va, doucement, on va. On vidange. Petit quadruplé. Topsy. Celui-ci avec ses oreilles. C'est trop mignon. C'est le quadruplé aussi. C'est ma pupuchinette. Il n'y a pas eu un seul jour où il n'y a pas de problème matériel. C'est pas possible. Le jeu préféré de Trésor. Je nettoie les seaux, je jette l'eau, il est dingo. Ça fait une semaine que j'ai pas regardé la mare aux canards. Et avec la chaleur qu'il fait, le vent qu'il fait, les pauvres, ils n'ont plus rien pour se baigner. Bon, je suis venue pour... Elle n'est pas en chaleur. Il va se calmer. Tu mets là-haut, tu as le risque qu'il passe entre justement, ce qui n'est pas le cas en bas. Après la sortie de fumier, nettoyer les sols indigo. Petit curieux.
Ah, mais la ferme en soi est nettoyable. Il me faudrait passer ma vie entière à nettoyer des sols aussi inégaux, sachant qu'elle fait 150 mètres de long, 30 mètres de large, 3 niveaux. Rien n'est entretenu à l'intérieur, à l'extérieur. Ça me demande un travail. J'y passe ma vie, j'y perds ma vie, et je ne peux jamais être à jour, avoir du temps pour faire correctement les choses. C'est désespérant et déprimant. Reste là dans notre four. Oh, c'est un bébé. C'est tout beau, oui, c'est une petite fille. Pas le même. C'est une petite voleuse. Eh oui, c'est pas la tienne, ça. Plein de nettoyage à faire et de réorganisation. Alors là, j'ai commencé, c'est pour ça que c'est au sol. Je mettais dans les poubelles l'orge de l'avoine, du maïs, pour éviter que les rats, les pigeons, etc. n'y accèdent. Donc, vu que maintenant j'achèterai des palettes en maïs et granulés pour chèvres, de façon à ce qu'elles soient une alimentation complète pour les mères en lactation, je le déposerai à la place des poubelles. Donc, je vais tout enlever, tout nettoyer, tout empiler pour laisser la place aux palettes qui vont arriver dans une semaine. Tout ça, arranger, nettoyer, virer, un petit peu de boulot, surtout du boulot qui est pas très intéressant à faire. C'est mon trésor, oui, c'est mon petit trésor d'amour, c'est mon petit trésor d'amour ça. Allez, viens. Forest, je sais pas si vous le voyez. Hop. Fofo, il sait pas où il est. Forest, tu viens Fofo? On va pas là-bas aujourd'hui. Forest. Forest. Allez, viens ici, viens. Viens ici, viens. Qui c'est mon trésor d'amour? Qui c'est mon trésor d'amour ça? C'est mon petit trésor d'amour. C'est ma gligli. Allez. Tilt, sois sage. Eric est en train de partir, il est en train de rejoindre la route au-dessus. Les chiens rabattent les dernières chèvres qui restent dans le champ. Et voilà, il va garder jusqu'à la nuit tombée.
toute petite schtroumpfette de son vrai nom Samoa, mais elle ne connaît que son surnom schtroumpfette, âgée de 9 mois. Toute petite chèvre, magnifique yeux bleus, qui a perdu son meilleur ami, parti dans sa nouvelle famille d'accueil il y a 2 jours. Un chevreau qu'on faisait téter au biberon, comme elle. Et depuis, Samoa veut absolument suivre le troupeau, pastoralisme, donc elle me suit, elle appelle sans arrêt, mais sa toute petite taille ne lui permet pas de pouvoir suivre les chèvres, ni la cadence, ni la distance. Donc je ramène une schtroumpfette dans les bras avec les branchages que je commence à faire pour les chevreaux qui restent avec elle à l'intérieur, petits aussi, qui ne suivent pas, et puis de tout jeunes de cette année. Allez, rentrez. Oui, non, je suis pas tranquille avec les chiots. S'ils veulent jouer. Allez. Rentrez. Rentrez avec tout le monde. Allez, on se dépêche. Allez, hop, c'est très bien, hop, et tout le monde doit être rentré, je vais fermer, et il me fallait faire rentrer les autres ailleurs, que Eric ne met pas au même endroit. Encore une réparation, fuite d'huile, donc certainement problème de joint à cet endroit-là. Donc à surveiller, à re-remplir jusqu'à ce qu'on puisse monter le tracteur à 3/4 d'heure d'ici pour pouvoir le faire réparer. Ah, arrivée des chèvres, nuit noire. Plus ma luciole, il y a du foin dedans. Oh mon Almeida, ça va mon Almeida? Ouais, elle se trie quasiment toute seule pour le moment, elles ont compris qu'ici c'était l'endroit où elles étaient en attendant que je termine la sortie du fumier dans leur bâtiment au pluriel. Et là, il doit y avoir les chiots qui... Elles ont peur des chiots qui sont au fond. Ah, c'est toi Malixi, toujours par derrière. Hein, t'as pas le courage de venir devant. Non Malixi. Ils me suivent partout, hein. Punaise. Aujourd'hui, ils m'ont pas lâché les chiots. Le portail est fermé pour pas qu'ils y aillent, hein, les chiots. Ça va toi? Oui, t'es contente. Oh, qu'est-ce que t'es contente, c'est ça, dit. Hein? T'as pas trésor? Ah bon? J'ai pas vu. Allez, rentrez, il y a à manger dedans. Hop, là, on va plus rien y voir. Voilà, maman est sortie pâturer. Et au retour, ça biberonne.